au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu dit dans le Saint Coran, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de guidance et du discernement. Sourate 2, la vache, verset 185. Chers croyants, le mois de Ramadan est un mois de miséricorde du Seigneur envers ses adorateurs. C'est un mois inégalé en mérite et valeur. Le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, a dit « Si les serviteurs savaient ce que cache le mois de Ramadan, ils auraient souhaité que toute l'année soit Ramadan. » Le mot « Ramadan » vient du mot qui signifie « chaleur intense du soleil ». Le saint prophète, paix sur lui et sa famille, dit « Le mois de Ramadan a été nommé Ramadan car il brûle les péchés. Selon des hadiths transmis par nos infaillibles, paix sur eux, il est déconseillé de prononcer le mot Ramadan tout seul. Il faut dire mois de Ramadan pour faire la différence entre le mois de Ramadan et le nom de Dieu, car Ramadan est un des noms de Dieu. Il est rapporté de l'imam al-Baqir, paix sur lui, ne dites pas c'est Ramadan, où Ramadan arrive, où Ramadan est fini, car c'est un nom de Dieu, et Dieu ne vient pas ou ne part pas, il est toujours là. Chers frères et sœurs, le mois de Ramadan possède une valeur exceptionnelle par rapport aux autres mois de l'année. Le prophète, paix sur lui et sa famille, annonçaient à l'approche du mois de Ramadan aux fidèles leur disant « Ô gens, le mois de Dieu est venu en vous apportant la bénédiction, la miséricorde et le pardon. C'est un mois qui est le meilleur des mois pour Dieu. Ces jours sont les meilleurs des jours. Ces nuits sont les meilleures des nuits. Ces heures sont les meilleures heures. C'est un mois pendant lequel vous êtes appelés à être les convives de Dieu et honorés par lui. Dans ces mois, vos souffles sont glorification, votre sommeil, culte, vos bonnes actions acceptées, votre imploration exaucée. Chers croyants, le Ramadan est le mois du repentir, du pardon, de la miséricorde et de l'abolition de l'enfer. C'est le mois de la patience qui n'a de récompense que le paradis. Et c'est le mois de la compassion. C'est un mois où les bienfaits augmentent. Le prophète, paix sur lui et sa famille, a dit « Lorsque vient le mois de Ramadan, tout démon est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont fermées et toutes les portes du paradis sont ouvertes. » Chers frères et sœurs, le véritable croyant sera celui ou celle qui auront compris le véritable sens, la valeur et l'importance de ces mois bénis de Ramadan. Il les gêne donc avec foi, sincérité et amour et les considère comme une occasion qui peut ne pas se renouveler car qui d'entre nous c'est si nous aurons l'occasion de revivre ces mois bénis de Ramadan à part Allah, le Tout-Puissant. Le mois de Ramadan n'est pas un mois d'amusement ou de jeu ou de perte de temps dans l'inutile, mais une occasion précieuse pour se rapprocher d'Allah et mériter son pardon en multipliant les bons sens, les bons actes, et en remplaçant les mauvaises habitudes
par les bonnes. Les croyants doivent absolument profiter de ces mois pour s'approvisionner et continuer ensuite sur les bons chemins toute l'année. Chers croyants, la journée du croyant ne doit pas être celle de celui qui passe ses journées à dormir, à regarder la télévision, à perdre du temps sur les réseaux sociaux, à préparer sa nourriture pendant des heures. Mais la journée du croyant est celui qui passe la majorité de son temps dans ses prières nocturnes, à préparer le repas du cœur et de l'esprit pendant deux heures qui est la lecture du Coran et non donner plus d'importance au repas du corps pendant ces mois bénis. Chers croyants, hormis le fait d'être le meilleur des mois, le mois de Ramadan renferme également la meilleure des nuits, la nuit du destin, celle de la descente du Coran. Cette nuit est celle durant laquelle le Coran fut révélé afin d'illuminer l'humanité par sa guidée en la sortant des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la science et du savoir jusqu'à la fin des temps. Par conséquent, le mois de Ramadan est évidemment le meilleur pour réserver une place d'honneur au Coran, en s'adonnant à sa lecture, non seulement la lecture, mais aussi la méditation de ses sens et des secrets contenus ces versets. Le messager de Dieu, paix sur lui et sa famille, a dit: celui qui y récite un verset coranique aura la récompense de celui qui aurait parachever la lecture de tous les Corans pendant les autres mois. Chers croyants, le Seigneur ordonne l'homme dans ces mois de ressentir un peu ce que vivent les nécessités. Le prophète Youssef, paix sur lui, disait, lorsqu'il fut questionné sur les raisons de son jeûne, je jeûne afin de ne pas oublier les pauvres. Le messager de Dieu, Mohammed, paix sur lui et sa famille, a dit: rappelez-y par votre faim et votre soif, la faim et la soif du jour du jugement. Donnez l'aumône aux pauvres et aux indigents parmi vous, respectez vos aînés et soyez miséricordieux envers vos cadettes. Chers croyants, le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, dit: le mois de Ramadan est un mois dont le débit est miséricorde, dont les milliers est pardon, et la fin, affranchissement du feu de l'enfer. Le prophète, paix sur lui et sa famille, dit: malheureux à celui qui, au terme du Ramadan, n'a pas réussi à se faire pardonner ses péchés. Qu'Allah, le Tout-Puissant, nous guide vers le droit chemin, qu'il nous couvre de sa clémence, de sa miséricorde et qu'il accepte nos œuvres pendant ces mois bénis. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.